Hello, hello! Je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour une vidéo info. J'ai plein de choses à vous dire. Donc, je suis dans mon terrain à l'arrière de ma maison dans la forêt. Comme vous pouvez voir, c'est très boisé à l'arrière. Il fait très beau en ce moment en Géorgie, USA. C'est comme un très bel été en France. Et c'est vraiment la meilleure saison parce qu'après l'été, juin, juillet, août, il fait très chaud, il fait 40-45. Mais comme je vous en avais plus ou moins parlé précédemment, je vais partir en France. Donc je reviens sur ce sujet dans quelques minutes. Les vacances, la croisière, c'était juste génial. La mer des Caraïbes, c'est magnifique. Et les Grands Caïmans, nous avons nagé avec les dauphins. Alors, c'est la troisième fois que je fais, donc il y a moins l'effet de surprise, mais j'adore toujours autant. Et puis au Mexique, il a fait très chaud, 42 degrés, le soleil, ça a tapé. On a fait du catamaran et de la plongée tuba, c'est très sympa aussi. Et j'étais déjà allée au Mexique, j'avais beaucoup aimé, c'est un de mes plus beaux voyages je crois, et j'ai toujours autant aimé. C'était vraiment super. Et puis, le retour est venu. Le pollen ici est très fort. J'ai été malade pendant 3-4 jours. Et ça fait que je n'ai pas pu scraper autant que je l'aurais souhaité. Et je suis un peu à la bourre sur les vidéos que je souhaite faire. Mais ça va s'arranger. Et donc, je voulais vous parler de la boutique déjà. Je voulais vous dire que mes prix en dollars n'ont absolument pas changé, n'ont pas bougé, je ne les change pas. C'est juste que l'euro a perdu de la valeur par rapport au dollar. Il est beaucoup moins fort maintenant, donc forcément les prix s'approchent en euros du dollar. C'est moins bénéfique pour vous puisque ça s'approche des prix réels du coup qui sont pratiqués aux USA. Mais avec toute l'actualité actuelle, l'euro a fortement baissé et perdu de la valeur. Et puis, je voulais vous dire aussi qu'au niveau des promos, je ne vais plus pouvoir faire comme j'ai fait en début d'année, depuis le début d'année, une promo autre que les 10%. Pourquoi ? Parce que Etsy, tout simplement, a augmenté ses frais. Et donc, je ne pourrais plus faire des réductions plus que 10%, mais je tiens à garder cette promo-là, puisque j'avais dit que je la gardais jusqu'à la fin de l'année, je la garde. Donc, cette promo est toujours permanente et c'est 10% des 60$ d'achat. Le code, c'est ENJOY22, donc notez-le bien, en majuscule ENJOY22. Ensuite, eh bien, je vais partir en France. Et oui, vous allez vous dire, elle est tout le temps en vadrouille, mais là, c'est pas des vacances, c'est la France. La France, c'est pas des vacances, c'est très fatigant. Et cette fois, je vais partir longtemps. Je vais partir 2 mois. Et oui, 2 mois. Pourquoi ? Parce que ma fille se fait opérer du dos, comme j'en avais aussi plus ou moins parlé, le 20 juin. Elle va être immobilisée, donc je vais rester plus longtemps pour m'occuper des deux petites. Je lui avais promis et je me dois d'être là. Donc, en fait, je vais partir du 5 juin jusqu'au 3 août. 3 août, donc oui, 2 mois. Ça va être un peu long, pas de vidéo, la boutique va fermer, mais c'est pour la bonne cause et je n'ai pas le choix. Je suis contente parce que je vais profiter à fond de mes petites filles. Et donc, la boutique fermera du 22 mai. Je ferme un petit peu avant pour que tout soit au carré avant que je parte et je la rouvrirai le 1er ou 2 août, je ne sais plus exactement quand j'atterris, mais ça sera 1er ou 2 août. Alors, pendant mon absence, il y a 3 collections Herfeld qui sortiront. Vous aurez plein de choses à voir à mon retour. Et puis, surtout, si vous avez des commandes de prévues
dans les jours qui viennent, eh bien, faites-le avant le 22 mai. Tout partira, aucun souci. Mais après, je suis obligée de faire cette fermeture. Quand vous m'envoyez un message sur Etsy et que la boutique est en mode vacances, eh bien, il y a un message automatique qui dit que je répondrai à mon retour. Mais vous pouvez m'envoyer des messages quand même, même si vous avez ce message automatique, parce que je les vois et je pourrai et j'y répondrai, même si je ne suis pas ici. Bien sûr, je vous répondrai, je réponds toujours. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou si vous avez quelques questions que ce soit. Donc, la fermeture du 22 août au 1er ou 2 août. Donc, prévoyez vos achats si vous avez besoin avant. Je voulais aussi vous dire que je vais faire un live avant mon départ. Je le ferai le 4 mai. Le 4 mai, je vais le faire à 17h. 17h France, 17h Europe. Donc, le 4 mai, et lors du live, je ferai une vente privée. Comme j'ai déjà fait précédemment, je ferai cette vente privée parce que comme je ne vais pas être là cet été au moment des soldes en France, eh bien, c'est pas grave, je vais le faire avant et je ferai cette vente privée le 4 mai. Il n'y aura pas énormément de choses, mais des choses plutôt sympas. Et dedans, notamment, un petit peu de tampons fleurs. Et puis aussi, je voulais vous dire, donc comme je pars en France, je vais ramener du matériel Airfelt. Alors, j'ai déjà eu beaucoup de demandes, j'ai déjà beaucoup de commandes à emmener. Donc, la place commence à être limitée, mais je vais quand même pouvoir prendre 2 ou 3 commandes, pas plus, malheureusement. Ma valise n'a pas un poids illimité, donc 2 ou 3 commandes pour ramener. Ces commandes doivent faire un minimum de 150 euros pour des raisons de frais pour moi pour ramener, etc. Donc je suis obligée de mettre un minimum. Et puis par contre, sur tout ce que je vais ramener en France, eh bien, pas de taxes, pas de frais de port, j'offrirai les frais de port. Donc, si vous souhaitez que je vous ramène des choses, faites vite, car je vous dis, je ne pourrai en ramener que 2 ou 3 en plus de tout ce que je ramène déjà. Donc, contactez-moi en privé et puis on verra ça ensemble. Donc, faites vite, parce que, comme je vous dis, je ne peux pas ramener beaucoup en plus. Mon mari part avec moi cette année, c'est cool, sauf qu'on va quasiment pas se voir en France. Donc, il part le 5 juin en même temps que moi, ça c'est chouette, mais il y va, lui, 2 semaines pour le travail. Donc, lui, il va rester du 5 au 25 juin, sachant qu'il va travailler les 2 premières semaines. Donc, en fait, on va arriver à Paris et on va se séparer. Et puis, on se rejoindra en fin de première semaine pour aller sur Dijon voir ma fille. Et lui, tout de suite après, il part sur Chambéry. Moi, je reste à Dijon. Donc, on ne va vraiment pas beaucoup se voir. Mais comme je vous dis, la France, c'est pas forcément des vacances, en fait. C'est fatigant. Et donc, moi, je vais être une semaine en Picardie. Ça va être très court, j'ai toute ma famille là-bas, donc ça va être des journées plutôt speed. Et ensuite, je reste avec ma fille, là, ce sera plus calme et je pourrai profiter des petites. Donc, si vous souhaitez que je ramène du matériel, contactez-moi. Les envois se feront, alors le paiement ne se passera pas par Etsy, mais par PayPal directement. Et j'enverrai les articles que je ramène en France, donc aussi pour celles qui ont déjà des commandes de prévues et que j'ai déjà préparées. J'enverrai entre le 8 juin et le 15 juin. Pourquoi ? Parce que je pars le 5, mais j'atterris le 6. Et avec le décalage horaire, les 6 premiers jours, je vais être très prise avec ma famille. Donc, entre le 8 et le 15, ce sera envoyé sans problème. Comme l'année dernière, j'avais
fait. Donc voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais besoin de vous dire. Alors je sais que mes vidéos vont vous manquer pendant un peu plus de 2 mois. Moi aussi, ça va me manquer de scraper aussi, de vous lire, etc., de partager, parce que vous savez que j'adore ça. J'essaierai de faire une vidéo quand même au milieu des 2 mois en France pour vous faire un coucou. Et dès le mois d'août, eh bien, je reviendrai. Avant de partir, donc avant l'arrêt des vidéos le 22 mai, je terminerai l'album Ciao Bella My First Year. J'ai un peu de retard sur la fin de cet album. Et puis la boîte à bijoux est démarrée. Il y aura aussi le second tuto car elle n'est pas finie. Et puis ensuite, il y aura un Hollerfeld de la nouvelle collection avec les libellules qui est sorti début avril. Je vous montrerai ça. Sinon, j'essaierai aussi de faire les fleurs pois de senteur, les sweet peas. C'est prévu aussi. Donc voilà le programme d'ici au 22 mai. Au retour, j'ai prévu de travailler le papier Provence et le papier cérémonie. Ça fait déjà un moment que c'est dans ma tête, mais j'avais le sweetie et autre chose en cours. Donc au mois d'août, j'attaquerai un de ces deux-là et je vais revenir un peu plus à dentelle, etc. Puisqu'en début d'année, donc j'ai fait Sweetie et Ciao Bella. First Year, c'était des choses très colorées. Donc là, je vais revenir à des choses plus pastel, couleur douce et dentelle et paillettes. Comme j'aime le faire. Donc voilà pour toutes les infos que j'avais à vous transmettre. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous retrouve bientôt donc en live le 4 mai à 17h. Notez sur vos calendriers. En attendant, eh bien, je vous souhaite un très très beau week-end, de belles réalisations scrap et je vous fais plein de gros scrap bisous. À bientôt. Ciao, ciao.